Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'espérais ne pas faire, mais il faut que je la fasse et que je vous explique parce que vous ne pouvez pas comprendre et que je ne vais pas répondre individuellement à chaque personne parce que c'est beaucoup trop long. Donc comme vous aurez vu dans le titre, mon histoire avec Asman est terminée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Mais si je rentre trop dans les détails, je risque d'être vexante pour certaines personnes. Du coup, je vais éviter, et parce que c'est pas le but. Voilà, mes histoires, je les règle avec les personnes qui sont concernées. Et je vais pas le faire devant vous parce que vous êtes pas dans l'histoire. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur certains détails. Vraiment, pourquoi je monte plus à Asman. Alors tout simplement, c'est parce qu'il a été vendu. Donc en fait, je savais pas, mais j'ai appris par le biais de la vente d'Asman qu'au final, en fait, tous les chevaux du club sont à vendre. C'est-à-dire que si quelqu'un a les moyens et demande d'acheter un certain cheval et que le prix convient à Serge, alors le cheval il sera vendu et il en rachètera d'autres. Du coup, en fait, ça permet, en soi c'est bien parce que ça permet de renouveler les chevaux, même s'il en vend pas tous les jours, hein, je vous rassure. Asman c'est un peu particulier, voilà, quand ça arrive, bah ça se passe, hein, la preuve. Donc même si sur le papier ils sont pas à vendre, si on propose d'acheter un cheval, ben ça se discute quoi. L'avantage c'est que du coup ça renouvelle les chevaux quand il y en a un qui est vendu, mais le désavantage c'est que du coup par exemple Asman c'est pas un vieux cheval, hein, donc il avait encore... Enfin c'est pas comme si on vendait un cheval de 15 ans, là dans ce cas là oui. Asman il a 7 ans, il avait encore possibilité d'être monté en club, sachant que c'est pas un club qui les use, dans le sens où ils sont pas montés 4 heures par jour, enfin voilà. Asman le samedi il faisait une heure avec moi ou une heure avec quelqu'un d'autre, mais en général c'était avec moi et il en faisait même pas deux. Du coup voilà, c'est pas un gros club où les chevaux ils font 4 heures par jour ou ils sautent 1m20 tous les jours, enfin voilà. Du coup il était pas usé donc il avait encore moyen de faire. Du coup dans ce sens là je trouve ça dommage parce que moi c'était mon cheval depuis septembre. Et puis du jour au lendemain au final on me dit que c'est fini. Donc je connais la propriétaire, ne vous inquiétez pas, ça c'est bon. Il a été vendu mais en fait de base, donc il est prévu qu'il soit acheté depuis je sais pas 2-3 mois, un truc comme ça. Sauf que en fait celle qui voulait l'acheter c'est une ado. En fait elle cherchait un cheval, je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc il n'y a pas beaucoup de chevaux et elle cherchait un cheval, du coup elle a décidé qu'elle voulait acheter Asman. On a parlé avec Serge, donc ses parents en ont parlé avec Serge, etc. Et donc au début elle savait pas trop, elle voulait le prendre un petit peu en test, etc. Parce qu'elle monte au club, hein. Du coup elle avait la possibilité de le monter, etc. L'a testé pendant quelques temps, mais au final, il y a eu pas mal d'histoires. Il y a des gens qui disaient que finalement elle voulait pas, finalement elle voulait, etc. Enfin c'était un peu le bazar. Je savais plus trop quoi écouter parce que forcément la première concernée c'était moi parce que c'était un peu le cheval que je montais depuis septembre. On est parlé avec Serge, donc moi ce qui m'a un petit peu énervée dans cette histoire c'est que Serge il a eu vraiment beaucoup de mal à venir me dire les choses. C'est à dire que donc cette histoire là, quand elle l'avait pas encore acheté mais qu'elle était presque sûre de l'acheter, tout le monde le savait, etc. Et Serge il m'en a jamais parlé, même en face, il m'en a jamais parlé en face. Juste une fois où du coup, Loulou si tu passes par là, qui m'avait demandé si ça allait, etc. Et elle en avait parlé à Serge et du coup à ce moment là Serge m'avait envoyé un message pour me dire bon je sais que ça va pas trop, etc. Mais t'inquiète pas, on en a parlé avec le papa de la future propriétaire et il est d'accord pour que tu continues ta saison avec. Donc que je finisse ma saison, que je le monte en cours comme je faisais en fait, qu'au final rien ne change sauf qu'il est un propriétaire. Je sais pas si vous entendez les bruits, j'espère pas trop, mais bon bref. Du coup, j'en avais parlé avec donc la fille des propriétaires, parce que je pense que le cheval est au nom des parents, je sais pas. Et elle m'avait dit, ne t'inquiète pas, tu pourras continuer à le monter. Donc bon je m'étais dit, normalement ça devrait aller. J'étais un petit peu, forcément j'étais totalement dégoûtée qu'il soit vendu, parce que il reste au club, donc je peux continuer à aller le voir. Mais forcément, il y a des choses qui allaient changer, hein, parce que bon, c'était sûr. Toute cette période-là, je l'ai pas trop remontée. Toute la période où elle l'avait à laisser, je l'ai montée une ou deux fois, mais vraiment pas beaucoup.
Et donc je l'ai remonté à mon dernier concours, donc c'était celui de la Grande Motte, là c'était il y a 2-3 semaines. Et en la fin du concours encore, j'en ai reparlé avec donc la propriétaire, parce que là il s'était passé un mois et c'était sûr qu'elle l'achète. Elle devait signer les papiers d'ici quelques jours. Et elle m'avait encore dit, ne t'inquiète pas, pour le concours de mercredi au club, t'auras ton tour avec, y a pas de soucis, etc. Donc bah ok, pas de soucis. Et donc est arrivé le week-end, donc là il lui appartenait depuis 2-3 jours. Et je mets un post sur Insta, je sais plus lequel, c'était celui avec Bulit je crois. Où je dis donc que j'ai concours mercredi, et là elle me laisse un petit message où en gros elle me dit tu prends qui mercredi, et je lui dis ben Asman, sauf si ça a changé. Dans ce cas là je suis pas au courant, puisque je vous ai dit ça parle pas beaucoup, genre Serge il me dit rien, alors je sais que pour lui ça a dû être compliqué aussi, ils lui disent pas grand chose non plus, ou alors ils lui en avaient parlé mais enfin moi j'étais pas au courant, enfin bref il me disait rien. Du coup, bah, je savais pas, et donc elle me dit, bah écoute, ça a changé, t'as plus la semaine, quoi. Du coup, ben, voilà, moi j'attendais un message de mon prof qui me dise, bon bah du coup, t'as pas la semaine, tu veux qui ? Enfin, ça c'est, même s'il était pas au courant de tout, ça c'est un minimum, quoi, c'est juste du respect, dans le sens où le concours, il était dans 3 jours, et moi je savais pas quel cheval j'avais, quoi. Enfin, voilà, je sais que pour lui, ça a pas dû être facile non plus, cette histoire, mais je veux dire, à un moment, moi, il fallait que je sache, quoi. J'ai envoyé un message à Serge en lui demandant pourquoi j'ai plus Asman quoi. Il m'a pas répondu, du coup j'ai envoyé un message à la propriétaire, donc à la fille, et je lui ai demandé dis-moi sincèrement que tu veux plus que je le monte, enfin ça fait un mois que je le monte plus, arrête de me dire que je peux continuer à le monter quoi. Elle a commencé à me dire qu'en fait Serge avait des. Enfin, que les assurances étaient trop compliquées, du coup il avait décidé de pas les prendre et que je montrais d'autres chevaux, donc au final qu'avec Asman c'était fini. Sauf que Serge m'avait rien dit, du coup. Donc j'ai pas répondu à la fille. Donc là je vous avouerai que quand j'ai appris ça, voilà, hein, ça faisait 2 mois qu'on me disait t'inquiète, tu vas pouvoir finir ta saison, vraiment te fais pas de soucis, etc. Et là, encore une fois, j'apprenais par le biais de quelqu'un d'autre que en fait c'était terminé. Il est toujours au club, donc je peux continuer à aller le voir. Mais bon après, elle commence à faire ses petites manies que j'ai un peu du mal à supporter. Voilà. Au final, Serge m'a renvoyé un message pour me dire que c'était trop compliqué les assurances, je sais pas quoi. Et que du coup, je montrais Tarzan au concours. Voilà, du coup je me retrouve un peu sans cheval, dans le sens où tous les chevaux ont un peu leur cavalier. Tarzan il a déjà des cavalières, je vais pas en plus m'en rajouter dessus. Donc après, voilà, je devais continuer à le monter parce que de base Serge voulait qu'il y ait un niveau au-dessus de la nouvelle propriétaire qui continue à le monter. Enfin, elle est plus jeune que moi en âge et elle a un plus petit niveau, et c'est vrai qu'Asman c'est un cheval qui est très compliqué. Moi-même je me juge pas à avoir le niveau correct pour le bosser correctement. On a tous commencé par débutant, enfin on a tous commencé par ne pas savoir monter. Donc après ça s'apprend, donc je veux dire Asman il lui apprendra, et elle j'espère qu'elle lui apprendra. Mais en tout cas Asman lui apprendra beaucoup parce que c'est un cheval qui forme, parce que c'est un jeune cheval, il a 7 ans, mais point de vue dressage il est pas... il y a encore des choses à bosser hein. Donc bref, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit ou quoi, mais je vous raconte mon point de vue, c'est pas que le mien, j'en ai parlé avec d'autres personnes du club et on pense un peu toutes la même chose. Après voilà, j'espère qu'elle me fera mentir et que elle apprendra à aimer le côté autre que juste monter sur un cheval. Et sachant qu'Asman c'est un cheval qui a besoin d'avoir la confiance de son cavalier et qui a besoin d'accorder sa confiance pour être vraiment au top au niveau de la monte. Et c'est un cheval qui adore qu'on s'occupe de lui, vraiment, genre il adore qu'on le gratouille, il adore jouer mais à pied, etc. Et pour l'instant, c'est vrai que ça, ce côté-là, il n'est pas vraiment activé chez elle. Et c'est ce côté-là un peu qui lui manque. Du coup, voilà, moi je continue à le faire, c'est-à-dire que j'adore aller lui faire des gratouilles, passer du temps avec lui, etc. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais voilà, enfin, elle a ses petits côtés que un petit peu princesse là que j'aime pas trop.
Du coup, quand il m'a envoyé le message en me disant qu'en gros avec Asman c'était fini, il m'a dit au lieu de faire rentrer un cheval, j'en fais rentrer deux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, forcément moi je suis prioritaire sur un de ces deux chevaux-là, puisque ben, comme je vous ai dit, je me retrouve un petit peu sans cheval. Nouveaux chevaux, ils sont arrivés donc hier normalement, puisqu'ils devaient arriver samedi, c'est ce qu'il m'a dit, et je tourne cette vidéo dimanche. Du coup voilà, et donc moi je les vois pas avant lundi prochain, enfin pas lundi qui arrive mais lundi de la, ben parce que moi je suis encore en vacances une semaine, et en gros je les vois le lundi où je reprends les cours, puisque ben j'ai pas cours pendant les vacances, et la semaine prochaine je repars voir mon petit poney, hein, je vais voir Belfast et Pretty. Du coup je serai pas là la semaine prochaine, donc je peux pas aller les voir. Mais en gros, à ce qu'on m'a dit, c'est deux chevaux qui font environ 1m60. Donc ça, c'est vrai que je suis pas hyper satisfaite, dans le sens où j'aurais préféré qu'ils fassent la taille d'Asman ou un peu plus petit, ça m'aurait pas dérangé. Mais ils cherchaient à rentrer des chevaux, donc après 1m60, ça va encore, hein, c'est que 5 cm au-dessus d'Asman. Ils font à peu près la taille d'Antonio, donc bon, je suis pas hyper fan de ce format-là, dans le sens où c'est un peu grand. Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais bon, après, si c'est... Si j'arrive à m'y faire avec leurs allures, etc., ça ira. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai un peu du mal à me caler sur les grands chevaux. Donc bon, on verra bien. Donc, à ce qu'on m'a dit, il y a une jument et un ongre. Ils ont 6-7 ans. Donc, c'est des jeunes chevaux. Il y a un bé et un alezan, donc je sais pas si c'est la femelle, enfin si c'est la jument qui est alezan, ou si c'est la jument qui est bé, j'en sais rien. Ça, je vous dis, je verrai. Je sais pas comment il s'appelle. En fait, j'en sais rien pour l'instant. Voilà, je vous dis juste. Ce que m'a dit Serge, c'est que c'est deux chevaux qu'il a achetés dans des élevages. Dans un élevage ou dans des élevages, je sais pas s'ils viennent du même. Et donc c'est des chevaux qui ont été formés pour des professionnels, donc c'est des jeunes chevaux, mais ils ont été formés pour des professionnels, donc ce qui veut dire que logiquement, bah c'est des bons chevaux. Donc pour l'instant je peux pas plus vous en dire, mais voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que logiquement, dès que les cours reprennent, en gros je vais tester ces deux chevaux là je pense, et que je me mettrai sur celui que je préfère, et que ça deviendra mon nouveau cheval entre guillemets. Donc voilà, j'en sais pas plus pour ces nouveaux chevaux, mais en tout cas, voilà. J'arrive jamais à m'organiser pour ce genre de vidéo, c'est toujours le bazar. Du coup, voilà, donc si jamais il y en a un qui me plaît, ce sera concours avec celui-ci. Sinon, s'il n'y en a aucun qui me plaît vraiment, je pense que de toute façon, les concours, ça sera vite fait, vite réglé, hein, plus de concours. Dans le sens où moi, je fais pas des concours pour faire des concours, je fais des concours que si je me plais vraiment avec le cheval que je monte. Je veux dire, si je prends pas plaisir, ça sert à rien, même si en soi, comme je suis très compétitive et que les chevaux de ce club, ils sont tous, c'est tous des bons chevaux, tu peux pas ne pas te faire plaisir, mais je veux dire, je vais pas enkiquiner un cheval à faire un tour dessus juste pour mon plaisir quoi. Du coup comme vous pouvez vous en douter, vous verrez plus Asman dans les vidéos, enfin vous le verrez peut-être mais genre vite fait quoi, juste un petit coucou, mais par contre si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous continuerez à le voir, puisque ben, je mets des stories avec lui, ça m'empêchera pas de le prendre en photo, enfin voilà. Du coup ça il n'y a pas de souci. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous pourrez continuer à le voir assez régulièrement, puisque je vais le voir tous les week-ends hein. Mais voilà, il y aura plus de vidéos consacrées à lui sur YouTube, et voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense que vous avez à peu près compris ce qui s'est passé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.